bienvenue en ce beau jeudi, jeudi 18h pour une nouvelle aventure, Terreur au presbytère. Alors vers le milieu du 19e siècle, le presbytère de Cideville en Normandie fut le théâtre des plus incroyables événements. L'affaire fut tant de bruit que ces messieurs de l'Académie des inscriptions et des belles lettres discutèrent de son cas, sans jamais parvenir à s'entendre. Au début du mois de mars 1850, Monsieur Tinel, le curé de Cideville, visitait l'un de ses paroissiens malades quand il rencontra chez lui un certain G, qui était, de l'avis de tous, un guérisseur et un sorcier. Il le fit renvoyer. Peu de temps après, l'homme fut arrêté et condamné à 2 années de prison. Et il en conclut à tort ou à raison que le prêtre était responsable de ses problèmes avec la justice. Fou de rage, le sorcier jura de se venger et comme il brûlait de mettre sa menace à exécution, il choisit le berger Tourelle qui était son disciple et son ami pour accomplir ses sinistres desseins. 2 enfants étaient élevés au presbytère de Cideville, Gustave Lemonnier, 12 ans, et Clément Brunel, 14 ans, dont l'éducation était assurée par le père Tinel, qui prenait un terrible et un véritable plaisir. Terrible dans le bon sens, bien sûr. Le prêtre était sincèrement attaché et ce fut donc à travers eux que le sorcier décida de l'atteindre. Un jour de vente publique, Tourelle, le berger, accosta le jeune Gustave sous un prétexte quelconque, touchant discrètement un morceau de sa chemise lors de sa discussion. De l'extérieur, la scène paraissait des plus banales, mais quand le garçon retourna au presbytère, aussitôt une bourrasque vint s'abattre sur le bâtiment et des coups, qui étaient pareils à des coups de marteau, commencèrent à résonner dans toutes les parties de la maison, qui parut soudain vouloir s'effondrer. Puis, comme le phénomène ne cessait de s'intensifier, bientôt, les coups devinrent si violents qu'à 2 kilomètres de distance, ils s'entendaient encore. Intrigué par ce vacarme extraordinaire, une grande partie des habitants de Cideville, l'histoire dit qu'ils étaient 150, se rendirent au presbytère, l'encerclant et le fouillant sans pouvoir en découvrir la cause. Ils cherchaient toujours l'origine des perturbations quand certains, par simple fantaisie, demandèrent à ce qu'un air connu leur soit joué à un endroit précis. Et se pliant au bon vouloir des spectateurs, la mystérieuse force se mit à battre la cadence, reproduisant la mélodie à l'endroit indiqué. L'étrange concert se poursuivait toujours quand brusquement les carreaux se brisèrent, projetant des morceaux de verre un peu de partout. Différents objets s'agitèrent, des tables se promenèrent et se heurtant parfois, les chaises se regroupèrent et restèrent suspendues dans les airs. Les chiens furent jetés au plafond. Les couteaux, les brosses et les bréviaires s'envolèrent par une fenêtre, revenant par une autre qui lui était opposée. Les pelles et les pincelles quittèrent le foyer et s'avancèrent toutes seules dans le salon. Les fers à repasser qui se trouvaient devant la cheminée reculèrent, poursuivis par le feu jusqu'au milieu de la pièce. Des marteaux s'envolèrent avec force, retombant sur le plancher avec légèreté d'une plume.
tous les ustensiles de toilette quittèrent le chambranle sur lequel il venait d'être déposé et instantanément, ils retournèrent s'y ranger. Puis d'énormes pupitres s'entrechoquèrent violemment, se brisant instantanément, et l'un d'entre eux, qui était chargé de livres, vola horizontalement vers l'un des témoins. Et s'arrêtant juste devant son front, il tomba inexplicablement à ses pieds. La nuit n'arrêta en rien l'indésirable visiteur qui fit une démonstration de ses talents des jours durant. À une certaine occasion, une dame se sentit tirée par la pointe de sa mante sans qu'elle ne puisse apercevoir la main invisible qui accomplissait ce geste. Une autre fois, le maire du village reçut un violent coup sur la cuisse qui lui arracha un cri de douleur et aussitôt une caresse bienfaisante vint le consoler, qui lui enleva instantanément toute douleur. Peu de temps après, un homme qui possédait une propriété à quelques kilomètres de là vint visiter le presbytère à l'improviste et s'installa dans la chambre des enfants. Il interpella la force invisible, lui demanda de cogner dans tous les coins de la maison, puis, tentant d'instaurer un dialogue avec elle, il lui proposa de répondre à ses questions, selon un système bien connu des spirites, un coup pour oui, deux coups pour non, etc. Cela étant convenu, il lui fit deviner son nom, ses prénoms, ceux de ses enfants, son âge, le leur, le nom de sa commune, et elle répondit à tout avec une irréprochable exactitude. Un prêtre, un vicaire de Saint-Roch, Monseigneur l'abbé, qui se trouvait par hasard de passage à Yvetot, décida de se rendre au presbytère de Cideville afin d'interroger l'étrange force dont il avait entendu parler. À cette occasion, celle-ci lui révéla, par le même système des coups, les prénoms et l'âge de son père et de sa mère, que l'abbé avait lui-même oublié, s'il ne l'avait jamais connu. Il prit note de tout ce qui lui était dit avec la plus grande attention, et dès son retour à Paris, il courut à la mairie pour y consulter les registres de l'état civil où il découvrit que les révélations qui lui avaient été faites à Cideville étaient en tout point exactes. Par la suite, d'autres curieux vinrent dialoguer la force inconnue et elle leur répondit avec la même justesse, quelles que soient les questions. Depuis que le berger l'avait touché, Gustave paraissait victime de quelques sortilèges. Un poids lui écrasait les épaules en permanence, qui lui comprimait également la poitrine. Il semblait en proie à quelque malaise nerveux. Il se plaignait toujours de voir derrière lui l'ombre d'un homme en blouse, qu'il disait ne pas connaître. Et à une occasion, un ecclésiastique crut apercevoir lui aussi une sorte de colonne grisâtre ou de vapeur fluidique. Un jour, le jeune garçon se trouvait près de la cheminée quand soudain une main noire en descendit qui lui donna un soufflet avant de se retourner d'où elle était venue. Personne ne vit la main, mais le bruit de la gifle fut entendu par tous. La joue de l'enfant devint rouge et elle le resta longtemps. Alors, dans sa grande naïveté, Gustave, qui espérait voir la main ressortir par le haut de la cheminée, courut à l'extérieur, bien entendu, en vain. Aidé de certains de ses confrères, le curé de Cideville avait tenté de guérir l'enfant par la force de la prière sans y parvenir. Un soir, alors qu'il cherchait un moyen de se débarrasser de cette malédiction, l'un des prêtres
se souvint avoir lu dans un vieux livre que les esprits redoutaient les pointes de fer. Alors, armés de bouts de métal, les braves ecclésiastiques se mirent à s'escrimer dans le vide, tentant de toucher la force invisible partout où le bruit se faisait entendre. Après s'être livrés à cet exercice pendant quelque temps, un coup parut avoir été porté qui fit jaillir une flamme verdâtre, suivie d'une fumée tellement épaisse qu'il fallut ouvrir les fenêtres sous peine d'asphyxie. Le procédé semblant donner quelques résultats, les hommes reprirent leurs morceaux de métal et ils recommencèrent à battre l'air, guidés par les bruits qui résonnaient ici ou là, suivant le moment. Soudain, un gémissement se fit entendre, puis des cris inarticulés au milieu desquels les prêtres crurent distinguer le mot « pardon ».« Pardon » s'écrièrent-ils. « Nous te pardonnerons et nous prierons Dieu qu'il te pardonne aussi, mais à la condition que tu viennes toi-même demander pardon à cet enfant. » « Nous pardonneras-tu à tous ? Vous êtes donc plusieurs ? Nous sommes cinq, y compris le berger. Nous pardonnerons à tous, ça c'est sûr. » Alors, brusquement, les bruits s'arrêtèrent et le silence retomba sur le presbytère. Le lendemain dans l'après-midi, quelqu'un frappa à la porte et l'ouvrit sans attendre. Thorel, le berger, se présenta alors, l'air humble et visiblement embarrassé, qui cherchait à cacher sous son chapeau les écorchures saignantes qui recouvraient son visage. En l'apercevant, Gustave s'écria « Voilà l'homme qui me poursuit depuis 15 jours !»« Que voulez-vous, Thorel ?» lui demanda alors monsieur le curé. « Je viens de la part de mon maître chercher le petit or que vous avez ici. » « Non, Thorel, non, on n'a pas pu vous donner cet ordre-là. Encore une fois, ce n'est pas pour cela que vous venez ici. Que voulez-vous ? Mais auparavant, d'où vous viennent ces blessures que l'on vous a faites ? Cela ne vous regarde pas, je ne peux pas le dire. Dites donc ce que vous voulez faire. Soyez francs, dites que vous demandez pardon à cet enfant. Faites-le donc et mettez-vous à genoux. » « Eh bien, pardon, » dit alors Thorel en s'agenouillant. Puis, se traînant sur le sol, il réussit à attraper Gustave par sa blouse et, brusquement, les souffrances de l'enfant et les bruits mystérieux redoublèrent d'intensité. Craignant quelque subterfuge, le père Tinel demanda alors au berger de l'accompagner jusqu'à la mairie, mais une fois sur place, sans que personne ne lui dise rien, l'homme tomba trois fois à genoux et demanda encore pardon. Surpris, le curé lui dit alors « De quoi me demandez-vous pardon? Expliquez-vous. » Thorel continua à s'excuser sans répondre à la question, puis se traînant sur ses genoux, il s'approcha du prêtre, cherchant à le toucher comme il l'avait fait avec l'enfant. « Ne me touchez pas !» s'écria le père Tinel. « Au nom du ciel, ne me touchez pas ou je vous frappe !» Ignorant ces menaces, Thorel continua à avancer vers le curé jusqu'à ce que dernier, acculé dans l'angle de la pièce où il s'était réfugié et visiblement terrifié, se voit obligé de lui asséner trois coups de canne sur le bras pour le faire reculer. D'une surprenante manière, ce geste lui valut un procès qui se déroula au palais de justice d'Hierville. Là, plus d'une vingtaine de personnes vinrent décrire les phénomènes observés au presbytère et le juge de paix, après avoir entendu leurs témoignages, rendit son jugement.
Le 4 février 1851, le berger Thorel fut débouté de sa demande. Il réclamait 1200 francs de dommages et intérêts pour les coups de canne et condamné à tous les dépens. Il fut donc obligé de payer les frais liés aux instances, aux actes et aux diverses procédures d'exécution. Telle fut la fin juridique de cette singulière histoire. Cependant, ce jugement n'arrêta en rien les esprits qui continuèrent à se manifester tous les jours, et surtout sans interruption. Alors, comme rien ne semblait pouvoir faire cesser le phénomène, le 15 février 1851, Monseigneur l'archevêque de Rouen ordonna que Gustave et Clément soient éloignés du presbytère de Ciduville et confiés à un ecclésiastique rouennais qui devrait se charger de leur éducation. Les phénomènes cessèrent avec leur départ et il devint alors évident que Sorcier s'était vengé de la pire manière en enlevant au malheureux père Tinel les deux enfants qu'il aimait tant. Vous voyez, les amis, depuis des temps immémoriaux, l'humanité a été fascinée par le surnaturel, par ces phénomènes qui défient les lois de la nature et transcendent notre compréhension rationnelle du monde. Des récits anciens de fantômes hantant des châteaux médiévaux aux témoignages contemporains d'observations d'ovnis. Le surnaturel a toujours exercé une emprise puissante sur notre imagination collective. Cependant, dans notre ère dominée par la science et la raison, où chaque aspect de notre existence est scruté à la loupe de la logique et de l'empirisme, le surnaturel semble être relégué au domaine du fantasme et de la superstition. Notre monde cartésien, imprégné de méthodes scientifiques et de scepticisme rationnel, semble peu disposé à accepter l'existence de phénomènes qui échappent à toute explication conventionnelle. Pourtant, malgré notre penchant pour la rationalité, le mystère du paranormal persiste, jetant une ombre énigmatique sur nos certitudes matérialistes. Des expériences inexplicables et des événements troublants continuent de défier nos explications scientifiques, nous invitant à regarder au-delà des limites de notre compréhension actuelle. Le surnaturel, avec son aura de mystère et d'interrogation, agit comme un miroir déformant qui révèle les fissures de notre vision du monde ordonné et prévisible. Dans cette introspection sur le surnaturel, il est essentiel de reconnaître que notre fascination pour l'inexpliqué ne se limite pas à un simple désir de divertissement ou de sensationnalisme. Au contraire, elle reflète un profond besoin humain de transcender les frontières de notre compréhension et d'explorer les mystères cachés de l'univers. En scrutant les phénomènes paranormaux, nous cherchons à percer le voile qui sépare le connu de l'inconnu, le tangible de l'insaisissable, dans l'espoir de trouver les réponses à des questions fondamentales sur la nature de notre existence et de la réalité elle-même. Ainsi, cette explication du surnaturel nous confronte à un paradoxe fascinant. D'une part, notre monde cartésien nous encourage à rechercher des explications rationnelles et empiriques pour tout phénomène observable. D'autre part, il existe des manifestations inexplicables qui défient ces explications et nous poussent à remettre en question nos certitudes les plus profondes. Cette tension entre le rationalisme et le mystère crée un terrain fertile pour l'émergence de nouvelles perspectives et de nouvelles interrogations sur la nature de la réalité.
C'est sur ces quelques mots, mes amis, que je vous laisse dans vos pensées et à votre propre réflexion. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Au revoir.